Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand JT des territoires de l'été. Chaque édition, nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le premier reportage de cette édition. En enfilant son armure, Jean-Yves Blondeau se transforme en Rollerman, un super-héros mi-homme mi-robot qui repousse les limites du possible. Alors d'abord, on a des bras. Virage à droite, virage à gauche, virage à droite, virage à gauche. Passer en quatre pattes. Hop. Genou. Virage à droite, opposé. Freinage. Quatre pattes. Allongé. Skeleton, ça c'est pour qu'on s'aillera très vite tout droit. Alors, c'est la fin de la descente, on ressent quoi comme sentiment? Ça vole! C'est du vol avec de la grande vitesse. Mais pour tout comprendre de Rollerman, il faut se rendre directement dans la maison de son créateur, là où tout a commencé. Ici, le stock, les rollers, les casques, les armures à vendre. Il y en a pour tous les goûts. Et pour vivre des sensations uniques accrochées au bitume, Jean-Yves passe le plus clair de son temps à l'atelier. C'est ici qu'il conçoit sur mesure chacune de ses armures. La création du Buggerline, c'était une étude sur les sensations d'équilibre du corps humain et la locomotion dans l'espace. C'est une étude de design en diplôme supérieur d'art appliqué, donc en bac plus 5, où pendant un an, j'ai étudié le corps, l'équilibre et la locomotion. Et j'ai vu à un moment donné qu'il était possible de rouler dans toutes les positions. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une armure qui permet de rouler dans toutes les positions. Jouissant d'une communauté de près de 500 000 fans en Asie, Jean-Yves Blondeau est connu pour avoir tourné un film avec l'illustre Jackie Chan. Son rêve le plus fou désormais, pouvoir un jour commercialiser en Chine et à grande échelle son armure à roulettes. Voilà, autre chose, on nous reproche souvent de ne parler que des trains qui arrivent en retard. Au Sapé, en Chartreuse, les trains de Michel sont toujours à l'heure. Il faut dire que Michel joue les chefs de gare dans son jardin. Passionné de modélisme ferroviaire, ce retraité aménage depuis plus de 20 ans locomotives, wagons, ponts et tunnels. Je vous propose d'aller à la rencontre de ce passionné en compagnie de Lina Bradedine pour Télé Grenoble. De bon matin, un tout petit train roule avec entrain dans le jardin de Michel. Alors, c'est une centrale station qui commande donc tous les trains. Donc, je vais vous le faire parler parce que mes trains, ils parlent. Next halt, Filizur. Prochains arrêts, Filizur. Voilà, ils parlent trois langues, mes trains. L'allemand, l'italien et le français, car les trains de Michel sont suisses. Dans son jardin, il a créé son propre réseau. On appelle ça du modélisme ferroviaire. Je suis passionné du train depuis l'âge de 2 ans. Les trains suisses en particulier, parce qu'ils sont d'abord à l'heure et qu'ils sont très propres. Donc sur la gauche, il y a un train de bois. Au milieu, l'automotrice qui s'appelle Capricorne, ce sont les nouvelles automotrices des chemins de fer rétiques. Et il y a le Glacier Express qui est du côté droit. Ces trains sont des reproductions parfaites des trains existants à une échelle de 1,22,5 qu'il a installé sur 250 mètres de rail avec 16 aiguillages et 2 croisements. J'aime bien un peu les courbes et tout, et donc j'avais décidé donc de faire une voie en S. Et de bons trains, mais surtout de bon cœur, Michel invite les curieux à venir sur le quai de son réseau ferroviaire dans son jardin au Sapé en Chartreuse. Apporter une bouée de sauvetage, épauler un sauveteur ou tirer une embarcation de plusieurs tonnes, ce sont les missions de sauvetage en mer que peut mener le Terre-Neuve, car rien ne fait peur à cette race de chiens qui trouve ses origines au Canada. Récemment, 8 chiens et leur maître ont multiplié les exercices sur les berges d'un lac de l'Aube afin que ce chien secouriste soit reconnu d'utilité publique, car la plupart des plages et les littoraux lui sont interdits l'été en France. Notre partenaire Canal 32 n'a pas hésité à se jeter à l'eau avec lui. Regardez.
ce dimanche matin sur la plage de Dienville. Pas de nageurs en vue, mais des chiens qui n'ont eux pas peur de se jeter à l'eau. Huit terre-neuves enchaînent les exercices sous les yeux ébahis des touristes et de leurs maîtres. On y apprend à aller chercher un objet, une bouée, n'importe quoi. Et après, on va, comme cet après-midi, j'ai commencé à y apprendre à apporter un objet à une personne. Là, c'est un peu plus compliqué. Apporter ou rapporter une ligne de vie, une bouée de sauvetage, épauler un sauveteur et tirer une embarcation de plusieurs tonnes, pas de quoi effrayer le Terre-Neuve. 70 kilos de muscles, un sous-poil imperméable, des pattes larges, la race trouve ses origines au Canada. D'abord amie fidèle des pêcheurs, elle excelle aujourd'hui dans les sauvetages en mer. C'est très bien pour les maîtres nageurs et c'est très bien pour garder les enfants. Instinctivement, en fait, les Terre-Neuve regardent les enfants ou les gens s'ils se noient. Ils vont essayer de les sauver. Et en fait, c'est un chien qui a beaucoup de caractère. Des qualités innées et un instinct qui ont séduit Vanessa et les membres du club champenois de chiens de sauvetage nautique. Une journée d'exercice pour le plaisir de voir leur chien en pleine nature. Mais attention, pour l'instant, il n'est pas question d'intervenir officiellement. Nous, on est un club, on va dire, on n'intervient pas sur des lieux pour faire du sauvetage à proprement dit. Parce que pour être sauveteur avec un Terre-Neuve, il faut être sauveteur nautique. C'est une passion. Et puis, on le fait sérieusement parce que on peut des fois être amené quand même à intervenir. On se balade avec notre Terre-Neuve et puis on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer ou qui est en difficulté. Ça nous permet d'intervenir quand même. Si le Terre-Neuve aime l'eau, la plupart des plages et littoraux touristiques lui sont interdits l'été en France. L'association milite pour que plus d'espace lui soit aménagé. Arrêtons-nous sur l'incroyable destin de Françoise Dorini. Dans un ouvrage de souvenirs, son titre « Séjours qui ne sont plus », l'aristocrate raconte une vie pour le moins très remplie, de la Seconde Guerre mondiale aux mondanités parisiennes, de Cambridge à la brousse africaine. Les anecdotes sont souvent rocambolesques et surprenantes et nous plongent dans un monde aujourd'hui totalement disparu. Images et commentaires de Christophe Rigaud. La vie de Françoise Dorini est un roman. L'exode, la Seconde Guerre mondiale, les révoltes africaines, les mondanités parisiennes, Françoise Dorini a traversé l'histoire et a décidé de livrer ses souvenirs dans « Ces jours qui ne sont plus », un ouvrage où elle raconte sa vie d'aristocrate dans un monde en plein bouleversement où la petite histoire rencontre la grande. Bon, on est toujours plongé dans la grande histoire, mais il se trouve qu'en effet, la grande histoire, ça a été l'exode. Je me rappelle tellement bien l'exode, je me rappelle des cadavres dans les fossés. Et nous sommes arrivés comme ça à Vichy, à Luçon, et le lendemain, nous sommes partis pour arriver jusqu'à Biarritz. Et les Allemands sont arrivés le lendemain de là. Et donc j'en ai conclu que les Allemands nous avaient poursuivis, mon frère et moi, à travers toute la France, que c'était nous qui cherchaient. Avec humour et lucidité, Françoise Dorini nous confie également ses souvenirs de voyage aux quatre coins de la planète, en Sibérie, comme en Afrique à la veille des indépendances. J'ai connu les premières révoltes, j'ai échappé au massacre, les Bamiléké s'étaient révoltés, j'étais là et curieusement j'ai pas été massacré, j'ai été parmi les seuls, mon mari et moi ont été parmi les seuls qui n'avaient pas été massacrés. Enfin, j'ai échappé à beaucoup de choses. Françoise Dorini nous fait revivre un monde disparu, mais qu'elle évoque sans aucune nostalgie. Je suis une des dernières personnes à avoir vécu un grand, grand basculement politique, populaire, nationale, tout allait changer. Dans son ouvrage « Ces jours qui ne sont plus », Françoise Dorini témoigne surtout d'un parcours sans concession, d'une femme libre, en marge de toutes les conventions. Un village au cœur de l'histoire. À la fin de sa vie, le général de Gaulle avait choisi d'installer son domicile à Colombey, les deux églises en Haute-Marne. Il y a vécu plusieurs années jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, le village demeure un témoin vivant de sa vie et de son héritage. Regardez ce reportage exclusif de notre partenaire Puissance TV sur place. Elle domine le village. C'est elle qui, depuis sa colline, surveille les alentours. Du haut de ses 44 mètres, elle veille sur le lieu de repos du général de Gaulle, Colombey les deux églises. La petite commune de 680 habitants regorge de lieux historiques.
Le village est devenu synonyme de mémoire et de souvenir. C'est ici que le mémorial Charles de Gaulle est installé. Construit en 2008 sous la Croix de Lorraine, il retrace les grands événements historiques du XXe siècle à travers le parcours de De Gaulle. À l'intérieur, des voitures, des maquettes, des objets et des ouvrages retracent la vie du grand homme et de l'histoire de France. C'est ici que l'on peut admirer la traction. Dès 1958, le véhicule Citroën est devenu historique. Charles de Gaulle, revenu au pouvoir, en a fait sa voiture de tous les jours et l'utilise alors pour ses allers-retours entre Paris et Colombey, les deux églises. Et puis, au détour d'une rue, la demeure du général apparaît. C'est ici, loin de la capitale, qu'il a séjourné et qu'il a passé le plus clair de son temps. Encore propriété de ses descendants, la boiserie se visite aujourd'hui. Elle est devenue un musée que les amateurs d'histoire peuvent découvrir. Chaque année, près de 145 000 touristes se pressent dans la petite commune. Colombey, les deux églises, est ainsi devenu le petit village, symbole de la grande histoire. Allez, remontons dans le temps, dans ce journal, pour découvrir ou redécouvrir d'anciennes machines agricoles. C'est l'histoire d'une passion, celle de Serge Vallée, que je vais vous conter maintenant, un agriculteur de la Sarthe, amoureux des chevaux de trait et de l'agriculture à l'ancienne. Dans son champ, il cultive chaque année plus de 2 tonnes de pommes de terre, uniquement avec le travail de ses chevaux et de ses vieilles machines agricoles. Un reportage d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe, regardez. Ça, c'est un Brabant à 2 chevaux, c'est-à-dire qu'il est reversible. Alors ça s'appelle une rotteleuse, c'était pour récupérer le foin qui avait été fané. La collection de Serge raconte une époque, celle de l'agriculture des années 50, avant les tracteurs. Ces machines sont toutes en état de marche. C'est surtout une valeur sentimentale, parce que tous ces gens qui ont travaillé avec ça à l'époque où ils n'avaient que ça pour se servir, je pense qu'ils ont été très très méritants. Le point commun entre ces engins, ils sont les vestiges du temps de la traction animale dans les travaux agricoles. Dans son champ, Serge, lui, continue de labourer à l'ancienne avec ses chevaux de trait. Personne ne veut se servir des chevaux, il ne peut se servir des chevaux, parce que les chevaux c'est bien, mais il faut qu'ils soient éduqués pour pouvoir travailler comme ils travaillent là. S'il fallait vivre du travail des chevaux comme moi je travaille, je ne peux pas vivre. Il y a l'entretien du cheval, il y a le maréchal, il y a le vétérinaire, il y a le suivi sanitaire, et ça a un coût. Un coût qui n'est rien à côté de son immense plaisir de perpétuer un savoir-faire et de revivre une partie de sa jeunesse. J'ai travaillé avec les chevaux moi jusqu'à 14 ans. C'était une très très belle époque. Tous les voisins s'entraidaient, tout le monde se donnait la main, tout le monde. Que maintenant, ils ne peuvent pas se donner la main parce qu'ils n'ont plus eu le temps de se donner la main. Tandis que nous, à cette époque-là, tous les voisins s'entraidaient. La moisson, les battages, ça durait un mois. Donc c'était. Il n'y avait pas de zizanie comme on peut trouver maintenant, entre voisins. Allez! Dans le futur, le collectionneur n'exclut pas d'organiser des démonstrations. Mais son souhait le plus cher, ça serait de transmettre, pour que la tradition ne disparaisse pas. Connaissez-vous la tendance rétrofit ? Il ne s'agit pas de musique ou de mode, mais d'une pratique automobile. En clair, le rétrofit consiste à remplacer le moteur thermique d'une voiture par des batteries électriques. Une solution de plus en plus prisée en France avec la flambée des prix de l'essence. Une solution aussi qui pourrait s'imposer avec la transition énergétique. Un reportage en Bretagne de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, sur place. Cet utilitaire a plus de 10 ans et fonctionne sans bruit et pour cause, il est électrique. Idem pour cette 504 coupée de 1970. Des véhicules thermiques anciens qui n'ont plus de moteur essence, mais des batteries sous le capot, c'est le rétrofit. Le rétrofit avait été interdit depuis 1954 donc d'être faisable en France, hein, avec un accord constructeur qu'il fallait pour pouvoir changer une motorisation. Et c'est ce que nous avons cassé en créant la filière du rétrofit électrique et en créant une réglementation avec le ministère des Transports, de l'Écologie et tous les services d'homologation.
La société qui installe ces moteurs électriques fait un tour de France pour convaincre des bénéfices du rétrofit. Le rétrofit séduit cette famille, prêt à en faire une activité professionnelle. Ça permet dans un premier temps d'éventuellement continuer à faire rouler des véhicules anciens qui donc ont des vieilles technologies et qui, à cause des nouveaux critères d'entrée en ville, n'ont plus le droit de rouler. Et donc ça peut éventuellement éviter de les laisser prendre la poussière dans un entrepôt. Autre avantage du rétrofit, son coût par rapport à l'achat d'un véhicule neuf, électrique, ce qui a séduit la banque partenaire du Tour. Le rétrofit présente le grand avantage d'être moins onéreux que l'achat d'un véhicule neuf, à peu près la moitié. Et donc ça permettra à des populations qui ont des moyens plus limités d'accéder à un transport propre avec une solution de financement adaptée. Selon l'ADEME, le rétrofit représente un marché français potentiel d'un milliard d'euros pour convertir 65 000 véhicules thermiques en véhicules électriques dans les 5 prochaines années. Voilà, direction la Martinique à présent dans ce journal pour remonter l'histoire d'un accessoire de mode traditionnel, le marée-tête. Ce foulard, vieux de plusieurs siècles, s'adapte aujourd'hui à toutes les tendances. Et au-delà de l'aspect esthétique, il s'agit surtout d'une technique de nouage bien particulière, revisitée par une habitante de Lille. Gagnou Tom, de la rédaction de Via ATV, s'est rendu dans son atelier à Fort-de-France. Regardez. Nouer le marée-tête, c'est un geste vieux comme le monde. La pratique est née sur les berges du Mississippi en Louisiane en 1785. Une loi impose aux femmes de couleur de couvrir leurs cheveux. En réponse à l'asservissement, les affranchis transforment le foulard en accessoire de beauté. Aujourd'hui, le marée-tête est un véritable accessoire de mode. Coloré, de différentes formes, il se revisite selon les tendances. L'art de nouer le tissu, lui, n'a pas changé. Emmanuel le pratique au quotidien dans son atelier. C'est le modèle de la bamboche, qui est un jeu en fait de superposition de tissus et dans lequel il n'y a pas de nœud. Et en fait, les plis permettent après au tissu de rester bien stable. En fait, le marée-tête est antérieur à la coiffe créole traditionnelle qui a été portée pendant longtemps avec la robe créole. Un savoir-faire traditionnel qui fascine depuis toujours la styliste. Bamboche, pain de sucre et autres coiffes, autant d'expressions de cet art qui repose avant tout sur le nouage. Voilà plusieurs années qu'Emmanuel s'attache à rendre au marée-tête ses lettres de noblesse. Je veux qu'ils soient inscrits dans l'artisanat d'art, qu'ils fassent partie de notre patrimoine culturel et puis que les autres générations à venir aussi continuent à le porter. Pour promouvoir son travail, Emmanuelle fait régulièrement des shootings photos, l'occasion pour elle d'essayer et de peaufiner ses créations. Les photos sont publiées sur les réseaux sociaux. C'est le seul réel support que j'ai pour faire connaître mon travail. Après, effectivement, plus je travaille, plus je vais faire des photos, plus je vais voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est amélioré ou pas. Moi, quand Emmanuel me fait un marée-tête, je me sens vraiment valorisée, belle. Là, je suis belle, mais là, je le suis encore plus avec le marée-tête. Et voilà, c'est quelque chose d'unique et c'est un patrimoine à porter. La styliste donne également des cours dans lesquels elle enseigne les techniques de nouage pour un parfait marée-tête. Elle vous attend dans son atelier à Fort-de-France. Voilà, ouvrons maintenant notre page dédiée au changement climatique, à ses conséquences et aux innovations aussi qui en découlent. En quelques années, les eaux de la Corse et plus largement de la mer Méditerranée ont été colonisées par le crabe bleu. Ce crustacé venu d'Amérique est un fléau pour les autres espèces marines et pour les pêcheurs de l'île. Un problème pris très au sérieux par les scientifiques. Un reportage d'Angèle Ricciardi pour Télépaysé sur place. Les premières lueurs du matin inondent l'étang de Bigoulia, l'une des 7 réserves naturelles de l'île. Mais sous les eaux tranquilles vit un crabe bleu qui mange tous les poissons et détruit les filets des pêcheurs. D'habitude, ce sont 6 embarcations qui sillonnent l'étang. Aujourd'hui, Michel est tout seul. Ce crabe qui vient d'Amérique du Nord peut parcourir jusqu'à 15 km par jour et il n'a aucun prédateur. Alors, les dégâts sont très nombreux. C'est du matériel qui n'est pas fait pour les crabes. Pour le moment, on n'a pas trouvé de solution. À part de les sortir de l'eau et si on arrivait à la limite à les commercialiser,
ça serait déjà quelque chose de gagné. Mais là, on n'a pas de marché. Pour le moment, on n'a pas de marché. Pour aider les pêcheurs, l'Office de l'environnement de la Corse a dû investir 22 000 euros dans des filets plus résistants. Mais aussi, des puces électroniques ont été installées sur plusieurs crabes pour surveiller les populations et mieux les contrôler. C'est une espèce qui s'est manifestement très bien adaptée, qui serait potentiellement aussi favorisée par le changement climatique et donc qui pose après souci une fois qu'elle est implantée, évidemment, sur l'ensemble de l'écosystème. Sa chair est déjà très prisée en Asie, pourvu qu'il en soit de même sur l'île. Une surprenante technique de vendange dans la Loire, à l'aide de skis, oui, vous avez bien entendu, des skis pour transporter le raisin. Une astuce quand les pentes se font raides, comme nous le montre Anthony Verpillon pour la chaîne TL7 dans la Loire. Donc regardez. La montée invernale, c'est une montée qu'on faisait faire aux vététistes lors de la fête du Boutéan. Et on n'est pas sur le plus pentu. Faire les vendanges chez Jean-Marie et Philippe Vial, ça se mérite. Après avoir avalé les 33% de la première pente, c'est à 45% que les vendangeurs doivent évoluer ce matin. Et les conseils du viticulteur sont les bienvenus. Le mieux pour monter, c'est de mettre les pieds en canard. Comme ça, vous montez plus facilement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et c'est forcément pour les vendangeurs que la tâche s'annonce la plus ardue. Vous imaginez ici avec un porteur de hotte, 40 kg sur le dos, donc sur la pente. Donc faut tenir au sol. Et l'idée a été de mettre la vendange sur des skis. Voilà. C'est pas le vendangeur qui est sur les skis. Non, on avait des problèmes d'assurance sinon. L'idée est donc venue aux deux frères après une longue réflexion, de la malice et un petit coup de main. On a fait bosser notre matière grise et notre bureau d'études à nous et on a trouvé cette idée de ski, on appelle ça des bennes à ski en fait, c'est des bennes rouges qu'on retrouve partout, qu'on a clipsé dans un cadre en bois avec des spatules de ski coupées à la longueur. On monte avec la moto qu'on sert toute l'année pour travailler dans les vignes. On a un neveu qui est en Savoie et qui connaît du monde et du coup il nous a trouvé les skis sans souci. Ouais. Antoine, lui, fait les vendanges pour la première fois et après un comparatif avec la cueillette sur un terrain plat ces derniers jours, le jeune homme préfère être ici, en pleine pente. Debout sur une parcelle normale accroupie, au bout d'un moment le dos il supporte plus, les jambes et tout, donc là je suis accroupi, je descends comme ça, hop, et je ramasse petit à petit et je continue jusqu'à la fin. C'est du ski de descente, on va dire, voilà, ski de descente, tout chousse. Le monde viticole décidément plein de surprises avec cette autre initiative venue cette fois-ci d'Occitanie. Un producteur de muscat a immergé ses bouteilles pendant 10 mois au milieu des huîtres. Résultat, un vin iodé et étonnant qui a eu le droit aux honneurs d'un chef étoilé. Les détails d'Anthony Coutin pour Via Occitanie. Du vin au milieu des huîtres. Ces bouteilles de muscat de Fitou ont reposé toute l'année, englouties au fond du lac de Leucate, blotties contre ses coquillages et bercées par l'onde des vagues. On a immergé ces bouteilles il y a pratiquement 10 mois. Et donc sur l'étang de Leucate, donc sur les parcs à huîtres, c'était dans des pochons à huîtres. Et l'idée maintenant, c'est amener une évolution. Et on va avoir ce côté iodé, on va avoir ce côté finesse aussi qui va apparaître. De retour au vignoble, Laurent découvre enfin le résultat de ses 10 mois d'immersion. Si la robe est similaire, le nez du vin immergé est plus développé, avec un parfum d'écorce d'orange particulièrement marqué. On est bien sur un vin blanc de macération, on est bien sur un cépage, le muscat, mais ce qui m'amuse aussi, c'est que ce cépage amène des notes d'agrumes. Ce vin a suffisamment cohabité avec les huîtres pour que leur union soit consommée. Le mariage du mets et du vin sera ici sublimé par la cuisine du chef étoilé catalan, Paul Borrell. On a fait des petites billes de concombre qu'on va ajouter sur l'huître. Alors, l'expérimentation, elle se fait déjà par une expérimentation sur un échange entre artisans, humains. On a un éleveur d'huîtres, un ostréiculteur, on a un vigneron, on a un cuisinier. Du vin et des huîtres, anoblis par la gastronomie. Et voici une triple alliance de toute élégance.
Voilà, partons pour un voyage exotique dans le Gers pour terminer ce journal. La palmeraie du Sartou offre un spectacle unique de verdure pour les visiteurs depuis plus de 20 ans. Des milliers de palmiers côtoient bambous, nénuphars et une impressionnante mosaïque florale, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de la Dépêche du Midi sur place. Une expérience étendue sur 10 hectares qui transporte les visiteurs à l'autre bout de la planète. Écoutez ce propos de la propriétaire du site. Elle répond aux questions de Clément Gassi de la Dépêche du Midi. Le palmier dans l'imaginaire collectif, c'est quand même toujours les vacances, l'évasion, c'est les îles, c'est les lagons bleus. Et ici, si vous voulez, on a reconstitué un micro endroit de rêve. Et les visiteurs nous sont très reconnaissants de ça, ils nous le disent souvent. Ils ont voyagé. C'est très valorisant pour le travail qu'on a accompli ici, puisque c'est 40 ans de travail parfois difficile. Mais notre récompense, elle est là. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.